Добар ден, почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е францускиот амбасадор во Република Македонија, господинот Жан-Клод Шлумбержле. Амбасадоре, согласно изјавите на многу аналитичари, во Република Македонија е настаната политичка криза. Имајќи предвид дека вие сте представник на држава со вековна демократска традиција, како сметате дека може да се подобри политичкиот диалог во Македонија? Le dialogue politique, c'est à la fois une question d'état d'esprit et une question de pratique. L'état d'esprit, cela consiste d'abord entre majorité et opposition à se considérer comme des adversaires plutôt que comme des ennemis, parfois même comme des partenaires. Je crois qu'il est important de savoir de temps en temps sauter par-dessus la barrière pour aller parler avec l'adversaire politique, pour lui tendre la main, et parfois, comme on dit en français, pour se serrer les coudes. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit, et il est très important d'accepter les règles du jeu démocratique. Comme vous m'interrogez sur la pratique française, la pratique démocratique française, je vais vous donner deux exemples concrets. Récemment, il y a eu en France un grand projet de réforme des retraites. C'était un projet très contesté par l'opposition, qui a vivement manifesté, qui était même au premier rang des grandes manifestations qui ont eu lieu dans les rues organisées par les syndicats. Quand la question est arrivée au Parlement, la loi a été votée, adoptée par la majorité, et l'opposition a accepté ce vote, considérant que c'était la majorité des élus du peuple qui l'avait entériné. L'opposition a dit, eh bien écoutez, on verra en 2012, lors des prochaines élections présidentielles et législatives, ce que l'électeur décidera. Ça, c'est un message que j'adresse évidemment à l'opposition. Le débat doit se placer dans le cadre des institutions faites pour cela. Et puis, deuxième exemple, encore faut-il que le débat puisse avoir lieu dans des conditions normales. Et pour cela, la pratique française est peut-être aussi considérée comme intéressante. La majorité parlementaire a décidé de nommer en France au poste de président de la commission des finances, qui est une commission très importante, un député de l'opposition. Elle n'était absolument pas obligée de le faire, mais elle l'a fait en signe de respect pour l'opposition et de volonté d'engager un véritable dialogue politique. Ce message, évidemment, s'adresse, je peux l'adresser à la majorité parlementaire macédonienne. Ce sont des exemples, hein. Je ne fais pas de leçons, mais je vous indique, comme vous me l'avez demandé, comment ça peut se passer en France. Се поактуелна тема се предвремените избори, секако станува збор за внатрешно-политичка работа. Меѓутоа, од аспект на странски наблюдувач, дали може да се очекуваат значени промени доколку дојде до промена на власта, а во меѓувреме не се реши спорот со името со соседна Грција? Alors, j'aurais effectivement du mal à me prononcer sur la question des élections anticipées dans votre pays, dans la mesure où il s'agit, comme vous le dites, d'affaires intérieures. Et là, c'est vraiment la responsabilité propre des partis politiques. La seule chose que je peux dire, c'est que si élections anticipées il y a, je souhaite bien entendu qu'elle n'ait pas d'effet défavorable sur le rythme des réformes, en vue de la marche vers l'Union européenne, qu'elle n'ait pas de répercussions non plus sur les discussions sur la question du nom, qui sont un élément important du futur de votre pays. Pour le reste, bien des élections, si elles ont lieu, elles doivent être libres et honnêtes, selon des critères bien connus. Et là, je fais confiance à la responsabilité des différents partis politiques pour accepter un système qui convienne. Како гледате на преговорите со Грција? Од ваша перспектива, дали има некаков напредок? Alors, sur la question des négociations sur le nom avec la Grèce, malheureusement, je dois vous dire que je trouve que cela n'a pas évolué. Il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, sur votre chaîne, j'avais été interrogé à ce sujet. C'était sous la présidence espagnole et j'avais dit que je serai optimiste, mais de moins en moins tant que le temps passerait. Et effectivement, je trouve que le temps passe trop. Alors moi, je n'ai pas d'indice qui me montre qu'il y a de véritables progrès. Peut-être y a-t-il des choses qui se passent. J'espère qu'il y a des choses qui se passent et dont je ne suis pas au courant. Et qu'on va pouvoir rapidement arriver à un accord, un compromis, ou au moins au signal, ce qui est important, au signal politique qu'il va se passer quelque chose.
Официален Брисел на тапет го стави судството во земјава, а судејќи по извештајте може да се свежи забелешки за човековите права и за слободата на медиумите. Дали покрај спорот со Грција, овие две работи можат да ја сопнат Македонија на патот кон Европската унија и НАТО? Bien entendu, plus la Macédoine s'engagera dans les réformes et s'engagera fermement dans les réformes, et plus elle aura de chances d'être prête le jour où les négociations d'adhésion pourront effectivement s'ouvrir. Le rapport de progrès indique les directions qui doivent être suivies et il est très important que les autorités macédoniennes s'attachent à faire tous les développements, non seulement législatifs, mais également de mise en œuvre sur les différents points qui ont été soulignés. Je pense notamment à tout ce qui concerne le dialogue politique, la justice, l'indépendance de la justice, la liberté des médias, la lutte contre la corruption. Enfin, je ne refais pas le catalogue qui est bien connu. Et plus il y aura de travail en amont, et ensuite plus ça sera facile pour votre pays de franchir les dernières étapes. Судството секако е позната забелешка во извештајте на Европската унија, но во последно време од дома се повеќе се забележува на слободата на медиумите. А дали според вас слободата на медиумите е загрозена? Là-dessus, les différentes organisations, que ce soit l'Union européenne ou bien les organisations plus spécialisées dans le monitoring des médias, sont très claires. Il y a deux menaces qui peuvent peser sur la presse, les médias, c'est la menace politique et c'est la menace économique. En fait, il faut éviter que la presse soit sous pression de pouvoir politique ou de parti politique et qu'elle soit sous la pression d'intérêts économiques. Alors je sais que c'est difficile, certains estiment qu'il y a une contradiction quand on dit qu'il faut à la fois lutter contre la corruption, la mainmise d'intérêts économiques sur la presse et puis la liberté de la presse. Mais je pense que dans un pays normal, on doit pouvoir marcher sur les deux pattes, comme on dit, hein, sur les deux jambes, et qu'il y a moyen d'avoir une presse qui soit indépendante, c'est-à-dire que les rédacteurs, que les journalistes puissent faire leur travail, qu'ensuite il y ait des groupes politiques ou des groupes économiques qui soutiennent, d'accord, mais le principal, c'est que les journalistes aient leur propre indépendance et ne soient pas obligés de s'auto-censurer et surtout ne soient pas censurés. Како го оценувате интересот на француските инвеститори за Република Македонија? Oui, bon alors j'avoue que pour moi c'est malheureusement l'aspect sans doute le moins positif sur le plan bilatéral depuis que je suis arrivé dans ce pays, parce que je trouve que les investissements français ne sont pas assez nombreux. Ça s'explique par la crise économique et financière. Je sais qu'avant mon arrivée, dans les années 2006 à 2008, il y avait eu plusieurs prospections de groupes français qui étaient assez positives. Et puis, tout s'est arrêté au moment de la crise. Il y a eu une sorte de coup de frein, il faut le dire. Alors, j'espère maintenant qu'avec le retour de la croissance, hein, puisqu'en France on est en train de sortir de la crise et que nos entrepreneurs ont de nouveau un peu plus envie d'aller vers l'étranger, et puis aussi avec les bonnes perspectives qui s'offrent d'après les institutions internationales, notamment pour la Macédoine, j'espère que ces projets, ou certains d'entre eux au moins, vont pouvoir être réactivés. Ambassadeur, vi blagodaram. Je vous remercie, blagodaram. Тоа беше се за ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Повторна средба за 7 дена.